Ouais, je suis sûr. Oh là là. Mais là, je vais être soigné, c'est bon, et après, Castaner. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais ma leçon, la joue contre son frère. Je crois qu'il était fier. Il m'a touché et je lui vois ce que je ça reste dans le domaine. Et après, Castaner. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais ma leçon, la joue contre son frère. Je crois qu'il était fier. Il m'a touché et je lui vois ce que je Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, Valentin est de toutes les manifestations parisiennes. À 19 ans, cet étudiant en éducation sportive, sympathisant des Gilets jaunes, fait partie des dizaines de street medics, des secouristes bénévoles présents pour venir en aide aux blessés lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ça montre à quel point la répression s'intensifie en fait. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui se disent bah il faut s'occuper des blessés en manifestation, on a trop, c'est pas normal. Par petits groupes, les street medics accompagnent le cortège. Si certains sont infirmiers ou pompiers, la plupart se sont formés au secourisme ces dernières semaines. Témoins privilégiés des violences policières, ils dénoncent le nombre croissant de blessés graves, la banalisation de l'usage d'armes comme les lanceurs de balles de défense, les LBD, aux effets dévastateurs. Avec la nouvelle loi qui vient de passer, ils nous interdisent de manifester avec des protections de visage, mais dans ce cas, ils arrêtent de tirer au visage et ils arrêtent les grenades. Parce que grenades, ça part aléatoirement, ça peut arriver sur n'importe qui. Et le LBD, bien souvent, il vise la tête. Au Castaner, avec ton LBD, interdit en Europe. On a besoin de vous, merci pour ceci. Fais attention à toi. Franchement, ça fait plaisir. Valentin arrive place de la République. Avec la fin de la manifestation, la tension grandit. Les forces de l'ordre encerclent les gilets jaunes pour bloquer toute progression du cortège. Les gendarmes mobiles sont appuyés par les hommes des brigades anticriminalité armées de flashball, des unités de la police peu formées au maintien de l'ordre. Les street medics sont en position pour intervenir. Sans sommation, ils ont utilisé le canon à eau, puis ils ont gazé. Donc pour l'instant, on a juste donné du Malox ou du sérum Phi aux gens qui se sont fait gazer. Les premières grenades explosent, des policiers tirent au flashball. Quelques instants plus tard, les street medics récupèrent un jeune homme blessé au visage. Il y a un jeune homme qui vient de se prendre un tir de LBD dans la lèvre, c'est-à-dire que du coup, il y a un trou là et la lèvre pend. Je sais pas ce qu'il a fait, j'en sais rien, mais ça mérite pas de perdre sa lèvre en fait, c'est dégueulasse. Si on avait eu un œil crevé depuis le début du mouvement, j'aurais bien voulu croire que c'était un tir pas volontaire, mais là ça fait 18 yeux crevés et je sais pas combien de touchés à la tête grave. C'est volontaire, c'est bien sûr que c'est volontaire. Face au refus du gouvernement de suspendre l'usage des flashballs dans les manifestations, les street medics continuent de s'organiser, à former de nouveaux volontaires, à secourir de nouveaux blessés.